Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour un petit vlog de mon séjour à Paris. La petite particularité de ce vlog, c'est que vous verrez en fait durant tout ce vlog, je vais vous parler de Noël, de tout ça, de... Enfin bref, de plein de choses pendant les vacances justement. Et donc en fait, il y en a peut-être certains qui sont au courant et peut-être d'autres. Non, c'est-à-dire que ce vlog je l'ai tourné bah, du coup quand j'étais à Paris pour mon stage vers début décembre. Donc pour vous dire, voilà, ça date d'il y a pile un mois à l'heure actuelle où je monte ce vlog. Donc je suis désolée, mais c'est pour ça que je parle autant de Noël, des fêtes de fin d'année, de tout ça, bref, enfin voilà, du mois de décembre en général. Donc écoutez, voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un petit vlog à Paris pendant mon stage, parce que du coup je suis partie à Paris. Nous venons tout juste d'arriver à Paris pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, bah du coup je vais faire mon stage avec Joanne Faganelli de du Gulli, l'animateur du Gulli. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas, mais je pense que... Voilà, je pense que vous connaissez tous. Enfin bref, voilà, là du coup on vient tout juste d'arriver et là on va aller manger. Je vais pas prendre la caméra parce que voilà, on va, je crois, là au McDo, tout ça. Donc c'est pas du tout important, mais écoutez, voilà, on va manger et on se retrouve ce soir. Enfin, de toute façon, mon stage commence demain et ça ne m'étonne pas, mais du coup je vais commencer à 14h. Voilà, c'est pas grave, allez, on se retrouve tout à l'heure, bisous. Oula, les amis, du coup, j'ai un bouton, waouh. Mais en vrai de vrai, ça va pas comme ça, hein. C'est bizarre, mais bref. Du coup les amis, là je me suis démaquillée, tout ça, on est rentré du McDo, on a bien mangé. J'avais très faim, très très faim, hein. Enfin bref, j'ai pris une petite douche, demain matin je me laverai les cheveux, je me les relisserai et je pense que soit je les laisserai lisses, soit je ferai des petites couettes. Je pense que ça peut faire très mignon. J'ai préparé mes affaires ici. Écoutez, là, je vais dormir. Je vais faire un bon dodo. Et on se retrouve demain. Ben voilà pour ma petite journée, quoi. Bisous. Et voilà, je suis prête. Les amis, du coup, je sais pas si vous m'entendez avec voilà, la ville de Paris, quoi, les petites voitures et tout, tout. Mais écoutez, là, du coup, je me suis réveillée. Je pense que ça se voit parce que je suis clairement dehors. Voilà, j'ai mon petit sac à dos. Je sais même pas sur la vue, mais bref. Voilà, j'ai fait un petit outfit noir et beige. T'as vu? Et puis du coup j'ai remis encore mon bonnet préféré. En même temps j'en ai pas 10 000, j'en ai qu'un. Du coup je suis toute prête, tout ça. Et donc comme aujourd'hui, je crois que je vous l'avais déjà dit, je commence qu'à 14h. Et bah du coup on va faire un petit tour au Galeries Lafayette juste avant. Du coup bah voilà, je vous emmène avec moi. De toute façon, let's go. En fait je suis en train de me dire que j'ai principalement... Enfin j'ai presque rien filmé. Mais du coup on est allé chez Pandora les gars pour voir pour Noël. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et du coup bah là on vous garde des petits... Celle-ci, elles sont dans un état. C'est plus possible. On a pris à manger tout ça. J'ai fini de manger. On a fait beaucoup de shopping voilà, de Noël. Devinez qui c'est qui vient de m'envoyer un message en me disant voilà, on change l'adresse du tournage à 14h. Pas du tournage, du stage, Lily. Du stage, oui. Non, pour une fois, pas de tournage. Au lieu d'aller au studio, je vais du coup au bureau. À l'agence. À l'agence. Là voilà, c'est un petit peu de Paris, quoi, voilà, c'est tout. Et du coup je dis à Joanne, ouais, du coup j'aurai un petit peu de retard, quoi, hein, puisque t'as changé l'adresse, tout ça. Je dis t'inquiète, Luna et Antoine, ils vont donner du boulot, moi j'arrive à 15h. Ouais, bon bah il est ponctuel aussi, comme moi. Cool les amis, là il y a Antoine juste derrière qui m'a accueilli, voilà, très gentiment. Joanne va normalement pas trop tarder à arriver. Au final je suis même pas en retard parce que c'est quand même 14h05 et que je suis arrivée il y a 100 minutes, du coup. Luna m'a donné un petit peu de travail, je dois faire des recherches sur YouTube de musique, tout ça, pour une nouvelle émission du live, tout ça. Enfin bref, je vais pas trop vous spoiler ou quoi, vous verrez bien bah, du coup la semaine prochaine, même si je pense que le vlog ne sortirait pas avant la semaine prochaine. Du coup je fais mon petit travail, je vais travailler sérieusement. Du coup les gars, il y a Joanne qui m'a rejoint pendant 30 minutes, voilà, hein. Ça approuve le stage très... Non, je rigole. Du coup, en vrai, là, j'ai pas beaucoup travaillé, mais demain, les gars, je vais travailler de ouf. Je vais beaucoup travailler. Attends. C'est pas grave. Voilà, on se retrouve. La vérité sur son travail, les amis. Vas-y, vas-y. Je m'en fous si tu kiffes, si tu coupes, c'est incoupable. Elle a rien fait. Elle est arrivée à 14h sur le premier jour. Et même, je sais, s'il y a la prof qui te regarde, c'est pas grave. T'es arrivée à 15h30. Ouais, alors je suis arrivée à 15h30. J'étais chez le coiffeur, les gars. Alors, il va demain, j'ai quoi faire. Ouais, on va faire du pole dance, les gars. C'est n'importe quoi ce stage. Pas de grenouille. Ok. 1, 2, 3, chasse quoi là? Voilà grenouille.
Du coup, écoutez, j'ai rangé toutes mes affaires, tout ça. Il y a maman qui nous a rejoint. Et du coup, on va partir. Voilà, avec maman, on part à l'hôtel Mafouf. Écoutez, donc je vais vous montrer tout ça. Parce que voilà, on va aller voir tout ça. J'avais bien envie d'y aller déjà. Le tout premier hôtel qu'elle avait ouvert, mais au mois d'août. Mais du coup, on n'avait pas pu. Du coup, maintenant, on y va. Et j'ai très hâte de voir. Voilà. Et Johan, il rentre chez lui. Demain matin, il va chez le coiffeur. Ouais, je suis là, c'est là, pour la quoi, pour le bip. Ok, c'est pas. Allez, on se retrouve tout à l'heure à l'hôtel Mafouf. On va prendre le métro. Oh, je suis rouge. Ah, non. Là les amis, en fait je vous ai fait aucune prise tout ça de ce soir, je sais même plus. Bah si, du coup on s'est baladé et tout. Enfin voilà, on s'est baladé dans Paris. J'avais froid et là je m'en trouve en débardeur. C'est mon pyjama, je vous rassure. Je vais dormir avec un pull quand même parce que j'ai fait ce qu'il y a et je suis vraiment à côté de la fenêtre. Enfin bon bref, c'est pas grave. En tout cas ce soir il y a eu la Coupe du Monde les gars et nous avons gagné. Voilà, donc la Coupe du Monde. Enfin ouais, vous m'avez compris. Oh là 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 là. Donc là du coup on part en finale, ça c'est net, c'est incroyable. Écoutez, moi là je vais me démaquiller parce que t'as vu là mon mascara il a tout coulé et tout. Enfin non, surtout mon crayon dans les yeux qui a tout coulé. Écoutez, moi là je vais finir de me démaquiller, de me préparer. Enfin, parce que même mon lit, enfin je peux pas dormir là, c'est pas possible. Enfin bref, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Non, parce que demain du coup ma journée est très chargée. Je crois que ça fait la troisième fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Bisous. Oh là, du coup les gars, là je suis ready. Je suis prête de la tête aux pieds et du coup je vais. Enfin, j'ai préparé mon sac et tout et tout. Et du coup, bah là, j'attends mon taxi. Maman ne vient pas avec moi. Je vais partir toute seule. Et du coup, aujourd'hui, bah je vais beaucoup travailler. C'est pour ça que du coup, je vais vous emmener avec moi. C'est parti! Du coup, je suis bien arrivée au studio. Voilà, t'as coup, fait un petit tour très vite fait. En tout cas, moi là, j'ai été accueillie par Christine, etc. Tout petit peu de l'équipe. Je pense que. Oui, du coup, ce matin, Joanne, il est pas avec moi. Mais il va me rejoindre, je crois, cet après-midi. En tout cas, en début d'après-midi. Et du coup, je vais commencer avec David, je crois. Je vais m'occuper un petit peu de la déco. Je vais vous montrer déjà le studio. Waouh, très joli. Enfin, après, de toute façon, moi, vous m'avez déjà vu là-bas. Mais du coup, bah là, moi, maintenant, on va me voir ici. Trop bizarre, mais très très hâte, en tout cas. Voilà, je vais aider pour la déco, quoi. C'est trop bien, du coup, pour la nouvelle émission qui sortira la semaine prochaine. Et voilà. Let's go. Il y a David ici. Du coup, on est allé chercher à manger. Là, on va manger sur une petite table à ma taille. C'est parfait. Et du coup, ça taille aussi. Ça tombe bien. Et du coup, écoutez, on va manger. J'ai pris une petite pâte pizza. Et voilà, c'est parti. Bon appétit. Du coup les amis, on est au McDo avec maman. Et on a des chaussettes de Noël. Regardez, on a des chaussettes de Noël. Waouh, chaussettes McDo et tout, trop beau. Du coup, on a la vue sur les Champs-Élysées. C'est très mignon. Et voilà. Du coup, les gars, là, du coup, on est rentrés. Faut que je range ma valise parce que c'est un peu chic. Et qu'il faut vraiment que je la range pour demain, quoi, parce que du coup, on part demain. Voilà, écoute, on se retrouve demain. Voilà, je pense tout préparer encore une fois. Voilà. Bisous, et si j'y pense, petite transition. Bouh. Salut. Les amis, du coup, je me suis réveillée, je me suis lavée, je me suis habillée, je me suis à moitié maquillée parce que du coup, il me reste encore le mascara à mettre, mais je pense que je vais d'abord aller déjeuner et après je le mettrai. Moi, là, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que en fait, mon t-shirt, il est trop long et en fait, j'ai un pull, il est super court. Et du coup, mettre un t-shirt long avec un t-shirt court, avec un pull court, c'est pas facile. En plus, je suis malade. C'est pas grave. Du coup, c'est bon, je suis ready. J'ai pris un petit lézopane, t'as vu, parce que voilà, je suis malade. Ma valise, elle est tombée en fait du porte-valise, mais d'une façon. C'était même pas possible qu'elle tombe comme ça. J'appelle vraiment ça un caméra. J'avais mis ma valise là-dessus, tu vois. Alors, je vois pas, hein, mais alors, j'imagine que c'est au. Parce qu'en fait, il n'y a aucun côté qui ferme réellement ma valise. J'ai peur. Je comprends pas comment elle a pu tomber comme ça. C'est waouh. Bref,
Du coup, la maman est partie à la réception. Moi, je finis ma petite prise et après, je descends en bas. On va prendre un petit taxi et let's go pour du coup, bah, mon dernier jour de stage. Aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu plus tranquille. Aujourd'hui, on est plus dans la réalisation. Parce que hier, à vrai dire, bah voilà, j'ai fait plus du ménage. Enfin, genre, je les ai plus aidés dans la déco pour justement la nouvelle émission. Donc en fait, on soit dans la réalisation. Aujourd'hui, plus dans la production. Du coup, bah, let's go, hein. C'est parti. Et oui, en fait, je voulais pas dire, mais j'ai fait un test Covid. Parce que bah si jamais j'ai le Covid, on va éviter de tous les contaminer. Je suis négative, donc let's go. Voilà, même pour Noël, imaginez, j'ai le Covid. C'est ça, je peux pas voir ma mamie, mon tonton, ma tata, et oh, il court encore, et l'INSEE, tout ça, et oh. Du coup, les gars, là, je sors, bah, du coup, avec du studio, je vais aller dans la pièce qui est juste à côté, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire, etc. C'est très stylé, ma foi. Alors, le deuxième joueur vert. Bonjour. Tu me vois? Comment ça se passe? Tu me vois? C'est quoi? Ouais. Tiens. J'ai peur, mais je vais arriver dans l'étage. Ouais. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Vas-y, vas-y. Voilà, nous on te voit sur une poutrelle, t'inquiète. Mais moi je suis en train de marcher dans l'étage. Donc là, les amis, pour une fois, là, j'apprends vraiment un truc. Voilà, avec des lumières et tout. Non, vraiment, je vous jure, j'apprends trop des trucs, hein, avec les lumières, tout ça. C'est là-bas. Alors que de base, j'étais en train de nettoyer le sol. Avec eux, là. Avec mon agent Joanne et ma maman, carrément. Mais c'est un stage n'importe quoi, carrément. J'ai, à cause de moi, il y a mon agent et maman qui sont impliqués. Et non, ça devient grave, ça devient grave. C'est beau, ça. C'est bon ça. Travaille bien. Du coup là, Luna nous a commandé une défilée de pizza. C'est immense. Enfin bref, du coup on va bien manger. Voilà, voilà. Et du coup moi j'ai bien regardé parce que Luna et tout, c'était très sympa. Et du coup bah cet après-midi, je sais pas, mais ça sent encore le ménage. Hein. Je sais pas pourquoi je vois venir le ménage. Les amis, du coup, là, en fait, on fait des... Ah bah voilà, on fait des tests lumière. C'est cool, j'arrive, y'a plus de lumière, tu sais. Moi, je fais des tests lumière, eux, ils font des TikTok, je comprends pas trop, bah les laisser. Enfin bref, moi, ce matin, du coup, comme on a quand même nettoyé le sol avec bah, des produits assez forts, bah du coup, là, je suis complètement crevée, là. J'ai la tête qui tourne et tout, mais là, j'ai envie de dormir. Mais bon, du coup, on va rentrer bientôt. On va bientôt prendre le taxi pour aller jusqu'à la gare. Et voilà. Les amis, du coup, j'ai complètement zappé de vous faire une fin parce que à l'heure où je terminais cette vidéo, j'étais vraiment crevée. Voilà, j'avais passé la journée, même la veille, dans les produits ménagers, tout ça, bref. Du coup, j'en avais un peu plein la tête, mais tout ça pour vous dire, voilà, donc j'ai eu le temps de rentrer chez moi, voilà, ça fait un mois hein, quand même plus d'un mois. Bref, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo, même si elle date un petit peu, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.